ici de Squadset et Mr.holics sur le nouveau... putain que je vois tout le temps... La nouvelle map! Merci, la nouvelle map! Salut Alex! Salut tout le monde! Donc la nouvelle map de The Red Series! Donc vous voyez, on a commencé à construire des petits trucs redstone. Et donc pour l'instant, on a juste commencé à construire des petits trucs bien normales. Puis là, on est dans une maison. On va ouvrir les lumières. Génial, maison qui est pas terminée, on passerait ça. Magnifique. Mais en gros, ce que ça donne pour l'instant, c'est ça avec l'élévateur qui est pas terminé non plus. On manque un petit détail à améliorer pour qu'on puisse utiliser. Fait que, en gros, j'explique un peu. Je suis revenu ici, ça repousse le bloc, vu que le bloc, comme vous saviez, il est repoussé ici. Puis le bloc de redstone, vous le mettez en haut. Et bien sûr, très très simple, c'est ça qui est génial. Viens, Alex. Fin de passer. Remets le bloc. Non. Remets les deux blocs. C'est remis. Ouais. Viens en haut. Donc imaginons qu'on monte. On arrive en haut. Et puis rendu ici. Le bloc de redstone, il va atterrir ici. Vous le prenez. Vous le droppez. Et voilà. Il va retourner direct dans le coffre en bas. Fait que t'as-tu quelque chose à dire pour l'instant sur... Non, puisque c'est toi qui l'a construit, celui-là. Ouais. Ok. Ensuite, donc aujourd'hui, l'invention qu'on voulait vous présenter est l'invention de Holix, que vous aviez vu autrefois, mais en beaucoup plus laid. Ben, c'est le canon à poulet. Ben, pas le canon à poulet, parce que c'est pas un canon, c'est... C'est, disons, une petite machine à poulet grillé, très simple et plutôt marrante, donc on va la tester tout de suite. Donc on va dégager. On va découler parce que, en fait on n'a pas vraiment le temps de niaiser, tu sais. Donc on va mettre des poulets dessus. On met des poulets. Ouais. Hop. On rallume. Ça, c'est good. Et, vas-y, appuie sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, et là on ramasse toutes nos petites merdes. Donc à l'instant même, on va vous montrer un peu comment le construire, sans le construire devant vous, mais bien sûr, juste vous montrer comment c'est conçu. Fait que, let's go Alex. Ouais, tu peux en... Oh, c'était pour pas tout scraper en fait. Donc c'est très simple, bon, ça c'est pour le bouton, un inverseur. Ensuite, il y a un sticky piston avec un slime block en dessous, là où j'ai mis les poulets tout à l'heure. Et on a aussi un sticky piston qui les envoie vers l'extérieur. Et ici, une torche, un repeater. Très important, faut bien mettre des fours au niveau à côté des slime blocks, sinon vos blocs se feront emporter par le slime block. Et ensuite là, c'est un circuit redstone très simple. Quand il y a des œufs dans le distributeur, le comparateur détecte l'item et ensuite ça envoie un petit courant redstone qui va éjecter le dispenser direct dans la petite fosse ici que vous avez vue et qu'on peut voir de la fenêtre, surtout bien de l'extérieur en fait. Donc, effectivement. Fait que, ferme pas, je vais retourner en dedans. C'est juste... En attendant. Fait que ça de la... Genre, oh merci. Je vais, ça dérange pas si... Vas-y, vas-y. C'est bon. Donc ici, le coffre, il va servir à péter les œufs et il va tout simplement tomber directement là-dedans. Une fois qu'il va être là-dedans, comme vous voyez, un système de réaction en dessous, avec le bond électrique, dont je me rappelle plus trop c'est quoi le nombre, ça va envoler et en même temps, celui-là, à comme un tick près, il va knock back l'autre. Donc un peu le même principe que les canons à poulet et tout. Tu peux ramener le feu, j'ai terminé. Puis en gros, ça va éjecter nos poulets en même temps de les faire brûler dans ce petit feu de l'enfer qui brûle à l'infini, vu que, comme je l'ai dit, c'est de l'enfer. Et ça va voler en ligne droite et c'est juste magnifique. Donc, des clôtures bien sûr pour bloquer et un toit parce que s'il pleut, la machine marche pas. Hein. Exactement. C'est, puisque le feu s'éteint sur les poulets. Okay. Ouais. Comme ça, ça marche toujours. Puis après ça, ben, nous autres, on a fait des détails. Hein. Les beautés. Ouais, on a fait un petit toit. Bien sympa au final. Yeah, yeah. Et puis là, c'est les poules mères ici.
Donc ils pondent les œufs, ça tombe dans les hoppers et puis ça va dans le petit système tout simplement. Donc voilà. C'est bon, je t'entraîne à montrer en arrière qu'est-ce que ça donne. C'est quoi que ça a de l'air, le système, désolé, tout le monde, je suis dans les allergies. C'est pas super agréable. No. Est-ce que tu crois qu'on devrait le cacher ou que c'est stylé de voir le système reste sur nos travaux? Bah moi j'aime bien, tu vois. Ok, bon, on va regarder ça. Ça fait qu'en gros, vous venez ici, vous pouvez regarder vos petits poulets. Je sais pas si. En fait, non, c'est pas bon. Donc c'est ça, en fait, vas-y, actionne là, je vais montrer un peu ce que ça donne. Réactionne là encore une fois maintenant. Ouais, c'est tout simple. Fait que c'est ça, c'est vraiment simple comme système. Donc, j'espère vous apprécier cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-le, j'aime, c'était Duaz47 et MasterHolics sur Minecraft pour une petite présentation de la nouvelle map de The Red Series et d'une présentation d'une création de Holix qui a été aidée un petit peu par moi. Tout à fait, c'est pour la déco surtout. Ouais, ben. Non, mais cette machine-là, tu l'as refaite tout seul, mais tu te rappelles quand on l'avait confectionné la première fois? Oui. Le système de Redstone, pour qu'il marche avec un bouton, hein, c'est moi qui l'avais fait. Exactement. Mais bon, c'est du travail d'équipe, quoi. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça que, Oleg, j'ai eu l'idée de plus mettre aucune pancarte devant les créations qu'on fait. Ouais. Genre, travail d'équipe, tout court, on fait des trucs ensemble. Puis même si c'est juste toi qui l'as fait pendant que j'étais même pas là ou que j'ai juste fait ça pendant que t'étais pas là, ça va les couilles, on l'a fait ensemble. C'est ça. Fait que c'est cool. Tout à fait, du travail d'équipe. C'est ça. Fait que bienvenue sur la nouvelle map de Redstone que vous pourrez télécharger. Ah oui, en passant, qu'est-ce qui s'est passé sur l'autre map? Bah, disons qu'il y a un inconnu qui est venu sur le serveur qui a décidé de prendre la TNT et de toute façon sauter. Bon, fait que là, j'ai whitelist ce serveur, puis il n'y aura plus de ce problème de merde. Et puis, de toute façon, on est tombé sur le meilleur site qu'on pouvait tomber. Donc, vous voyez, la map est magnifique. Fait que j'ai rien à dire. Ouais, tout simplement, waouh. Ouais, puis fuck pour le reste. Qui est oui. Arrivé. C'est quand même fif, hein. Petit con, hein, qui fait ça. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je vais laisser. Olex terminer sa vidéo aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un petit j'aime et puis on se retrouve pour de nouveaux petits systèmes Redstone. Bye bye. Tchou!